Bienvenue, everyone. Um, welcome to Marcel Proust, du côté de la mer, presented by Catherine Richard Le Duc in collaboration with AFUSA and Farishday Priu, and who is the founder of the Proust Society of of Greenwich, Connecticut. We'll say more about Farishday and Catherine in a minute. But my name is Renee Ketchum, and I'm in charge of cultural offerings for the Federation. So, next slide. Okay you next have slide uh I have the next slide let me see okay is it better now you see No, no we don't have a next slide there's only no. the, the the welcome bienvenues okay well there is a I have to see what's going on because and you're not full screen either uh the problems I have to admit people at the same time. Just bear with me for a second. I get a handle on this. Well, you know, I can just talk through them on my other computer if you want me to do that. Would you like me to do that first? Um, yeah, go ahead. And uh, you know, I have to get it done for Catherine, but go ahead. Okay. So so just so AFUSA um, represents the largest network of alliance française in the world. Um, helping 25,000 learners of French each year. Our, our motto is learn French, live French, love French. We have over 100 chapters in the U.S. Um, and um, we've got some wonderful events coming up soon. Here we go. I think Farishe's got the slides. Yeah. Okay. So, okay. So let's go to this. Here we go. Um, a we have, just look at the list here. Damien McDonald Chef Alain Le Notre continues to do a series with us um, we have some wonderful book events if you haven't read the one book one federation um, we're going to do a book group with the alliance francaise with greenwich as a national event of noiches and the author will join us on tuesday the 29th and for those of you that like to cook and i say this every time i talk about afusa this ghetto this Ale alexandra um, Crapanzano has probably one of the best books I've seen in years for baking traditional simple French cakes. So it's it should be everybody's Christmas present. So the next slide. Excuse me, René, um, could you go to slideshow and full screen? Because it's a bit small. Uh okay. Uh, sure. Let me just hope. You go up to slideshow and <coughs> there left is it better now huh? no uh, click on slideshow do you see slideshow at the top right click on slideshow there both from and from beginning from beginning would be good yeah from yeah. beginning or, or from from current slide as well okay okay here we go that's good thank you all right. So, just a couple of logistics that we go through every time. Please stay on mute during the presentation. Stay on speaker view, um, and if you have questions, please be so kind as to put them in the chat in either French or English. The the, the presentation will be in French. But um, you're welcome to, to to ask your questions in either languages. Any technical issues that you have, just sign back in. And this is being recorded, so everybody who has participated, registered for this event, will receive an email with access to the edited YouTube version, so you can watch it again. So Farrestet Priou is 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 a huge part of the Alliance Française. She is our treasurer, she is a vice president. But more importantly, today, Fariste is the founder of the literary nonprofit organization, the Proust Society of Greenwich. So Proust enthusiasts gather monthly to engage in a close reading of Proust's seven-volume book, In Search of Lost Time, à la recherche du Temps Perdu, and to exchange views on Proust's writings and philosophy on January 12th the group starts again with the first volume swans way du côté de chez Swan. and i have to say i've started this group twice i haven't finished but i'm starting again so we invite all of you to join fairshay we it, it's not too much reading it's it's so it, it's a very personal way of looking at proust and fairshay leads the group so fabulously so welcome fairshay and fairshay will make the introduction of our speaker um Uh, bonjour encore et merci à vous tous d'être ici avec nous pour commémorer le centenaire de la mort de Marcel Proust survenu le 18 novembre 1922. Uh, merci beaucoup René pour ta présentation. Je vais dire quelques mots sur la lecture de Proust mais je vais le faire en anglais. Uh, reading Proust is an ex exceptional experience, but as Rene very correctly said, reading a 4,000 page book is a huge task and not something that one undertakes without a certain degree of apprehension and even hesitation. However, joining a group not only makes it easier to take on the task, but also affords the reader a deeper level of uh, understanding of the book because you get to discuss it with others, something that you won't be able to do if you read it on your own. So it helps to understand um, Proust's writing and therefore better appreciate the joy the joys of the experience. Um, so I now go back to French. Um, Pour le centenaire de euh, la mort de Marcel Proust, le Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme à Paris a offert l'été dernière une exposition qui explore pour la première fois la judaïté de l'écrivain à travers de la famille de sa mère, euh, Jeanne Proust. C'est un aspect moins connu de la vie de Proust. Aujourd'hui, nous avons avec nous Catherine Richard-Leduc Richard qui nous joint de rejoindre directement de Paris pour nous présenter cette exposition. Euh, Catherine est guide conférencière nationale. Elle est attachée à l'Institut du Monde arabe depuis l'an 2000. Aujourd'hui, elle est employée pour les journées du patrimoine au ministère de la Culture. Euh, son expérience inclut présentation des grandes expositions à Paris et en Europe ainsi qu'aux États-Unis. Euh, Merci Catherine d'être avec nous et maintenant c'est à vous. Well, I'm very pleased to be with you. I will try to do it in English, but I hope you will understand my awful accent. Uh, uh, Catherine, je crois qu'on on, l'a annoncé comme une conférence en français. En français, oui, ah ben non, très bien. C'est très bien. C'est très bien. Ce sera plus facile pour moi. Donc, euh, donc, cette exposition, c'est la seconde, comme vous l'avez dit, euh, Faire acheter qui concerne Proust. Et cette seconde exposition s'attarde, comme vous le disiez, sur un aspect souvent un petit peu laissé de côté. Pourquoi Parce que Marcel Proust n'a jamais revendiqué sa judéité. Et pourtant, elle est totalement centrale dans sa vie, on va le voir, par rapport à sa famille, par rapport à certains de ses personnages. Et par rapport également aux événements qui se sont passés à l'époque. Là, j'ai mis une photo de Marcel Proust, donc il le présente en 92, alors qu'il est parfaitement intégré à cette société brillante à laquelle il voulait, dans laquelle il voulait s'inscrire. Je pense qu'on peut passer la suivante. Alors, quelle est la famille de Proust alors la particularité, on peut mettre la suivante, la particularité de cette famille est qu'elle est catholique par le père et juive par la mère. Et en fait, on connaît beaucoup mieux finalement la partie juive que la partie, euh, comment dirais-je, catholique. J'entends par là que euh, la famille Velle, puisque le nom maternel, entre autres, est Velle, est euh, inscrite à Paris depuis à peu près, euh, disons, le début du 19e siècle, largement, même un petit peu avant, et qu'elle va euh, faire partie de cette élite à la fois intellectuelle et commerciale. La famille catholique des Proust est très connue aussi, mais elle n'offre pas, si vous voulez, en quelque sorte, la même diversité. Là, vous avez par exemple un portrait de Léon Scollet, euh, pardon, d'Émile Lévy, qui est un lointain cousin euh, de la famille Proust, Il sera un petit cousin euh, de, euh, comment dirais-je, euh, Adolphe Crémieux, qui va jouer un rôle très important. Voilà, Adolphe Crémieux ici. Et il faut savoir que Crémieux, qui est lié aussi au Proust, hein, on va pas remonter aux arrières et arrières, euh, grand-oncle et autres euh, personnages, Adolphe Crémieux a fait partie du ministère de la Justice, et en 1870, il va publier ce qu'on appelle le décret Crémieux, qui va conférer la citoyenneté française automatique aux Juifs d'Algérie. L'Algérie a été conquise à partir de 1830, et de ce fait, eh bien, il va avoir, euh, si vous voulez, euh, et il va faire euh, cette chose. Euh, vous pouvez le voir ici, Jamais, si vous ne connaissez pas le personnage et son nom ne l'indique en aucun cas, il a été un peu francisé, on ne peut soupçonner qu'il fût ce juif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à une période dans la seconde moitié du 19e siècle où il y a une intégration très importante, une forme d'assimilation de ces juifs qui sont venus un petit peu de territoires différents et qui vont euh, acquérir une grande importance euh, dans les différentes euh, activités intellectuelles et commerciales. On peut passer la suivante. Et on, on a vu passer aussi tout à l'heure, voilà le testament de Louis Lazare Veil, donc, qui est le grand-oncle de Proust, euh, qui euh, donc, euh, acquiert, euh, euh, comment dirais-je, une certaine fortune. En même temps qu'il se distingue également par le fait qu'il va participer, comme Baruch Veille, euh, à euh, l'organisation du con, euh, comment dirais-je du Consistoire israélite. C'est-à-dire ils sont présents dans les institutions euh, israélites, mais en même temps, ben, peu à peu, ils vont l'être sur un plan plus politique que religieux. On peut passer la future. La prochaine diapo, voilà notamment la grand-mère maternelle. Oh, c'est horrible, j'ai fait une grosse faute. Ah euh, oui, c'est parce que j'ai mis maternelle grandmother, hein, donc euh, okay. j'avais mélangé l'anglais et le français. Adèle Veil joue un rôle très important. Elle est musicienne, elle est pianiste. Elle va euh, beaucoup aimer euh, le petit Marcel. Et, et donc, elle va lui donner un peu l'amour de la musique et en même temps, lui faire pénétrer en quelque sorte ses milieux culturels. Passons à la suivante. Et voilà la mère, Jeanne Proust, elle a 30 ans, c'était une très belle femme, extrêmement brillante, euh, tout à fait cultivée. Elle passera tous les mercredis, enfin c'était les jeudis à l'époque, hein, soyons clairs tous les jeudis, a amené son fils Marcel au musée, et Jeanne Proust épouse sans problème un catholique, mais ne se convertit pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'on ne se prononcera pas, et Marcel encore moins que les autres, sur le fait qu'il appartient à telle ou telle religion. C'est-à-dire il ne se réclamera d'aucune, même s'il est juif par sa mère, ce qui est logique, puisque la judéité parvient par la mère mais même s'il est baptisé euh, dans, en, en, dans l'église quant euh, à sa naissance il ne se réclame pas pour autant comme catholique alors on peut passer la suivante euh, qui représente son père adrien proust euh, c'est le même peintre euh, que celui qui a fait euh, donc euh, euh, crémieux et Adrien Proust est médecin, il va être un des premiers détenteurs de la chaire hygiéniste de Paris et c'est un personnage donc qui ne ressent aucun problème à épouser une femme juive, même si encore une fois il n'y a pas de revendication religieuse à proprement parler. Si sa femme ne se convertit pas, pour autant elle adopte absolument les codes de comportement euh, chrétien. La suivante, s'il vous plaît. Voilà une photo des deux frères, puisqu'il y aura un, un pierre qui va naître après, quelques euh, années après, ils ont deux ans de différence, grosso modo, et lui suivra la carrière de son père, c'est-à-dire qu'il deviendra également médecin, également hygiéniste. Et puis, souvenir un peu attendrissant, la mèche de cheveux du petit Marcel. Alors il faut savoir que Marcel est de santé très fragile. Hein. On a craint qu'il ne vive pas. Et euh, quand il est né, euh, c'est dans une période un peu compliquée. Il y a la commune notamment, il y a eu la guerre prussienne. Euh, on va les emmener à la campagne de l'époque, hein, à Auteuil. Mais on va s'apercevoir qu'il est asthmatique et toute sa scolarité et son enfance va se passer entre des moments où il reste à Paris, enfin à Paris, ils vont rentrer dans le centre parisien ensuite, où il va aller à l'école, puis au lycée, ou rester chez lui, très protégé par sa mère. On peut passer à la suivante. Et là, vous avez ce lien particulier avec sa mère qui va se développer. Alors, il faut comprendre qu'il va aller au lycée Condorcet, qui est le lycée un petit peu de la haute bourgeoisie dans les quartiers modernes, entre guillemets, hein, qui se sont développés au XIXe siècle à partir des années 1860, là où Osman fera ses grands boulevards que vous connaissez peut-être si vous êtes allé à Paris. Euh, il fait de bonnes études, il s'inscrit ensuite pour faire des études de droit, et puis il obtient finalement un emploi. Euh, à la bibliothèque nationale, mais il vient pas vraiment, il est souvent malade. Et en fait, il s'intéresse, il va faire un voyage à Venise avec sa mère, on va le voir dans un instant, il s'intéresse à Ruskin, qui est cet intellectuel euh, écrivant sur les arts et sur l'histoire, John Ruskin, et il va décider d'écrire sur lui, et de traduire ses œuvres, parce que Ruskin avait interdit que l'on traduisisse ses œuvres avant sa mort. Et donc, comme il ne parle pas très bien d'anglais, eh bien, c'est sa mère qui est une meilleure angliciste qui va lui fournir une traduction qu'il va faire. Et vous avez ici la traduction d'un des ouvrages, « Césame et les Lys », enfin « And the lys, euh, qui est annotée euh, de Proust avec la traduction initiale de sa mère Jeanne. On va continuer. Là, la Bible d'Amiens, c'est en fait le titre qui va être donné, et c'est le premier ouvrage de Proust bah, qui ne rencontre pas quand même, on peut dire… Euh, euh, une véritable, un véritable succès. Donc, euh, lui pense qu'il va rester dans ce milieu littéraire. Mais pour trouver matière à ce qu'il veut raconter, eh bien, il veut intégrer les cercles intellectuels, les cercles culturels qui, dans Paris, drainent aussi bien les journalistes, les écrivains, les peintres, les musiciens. Et pour ce faire, il va être aidé par différents personnages, en même temps qu'il proposera des chroniques, euh, notamment, euh, comment dirais-je, dans euh, différents journaux au Figaro, pour ne pas le nommer, par exemple. Continuons. Alors, je vous le disais, Venise est centrale. Venise est centrale, et on va voir la première diapositive qui ne le concerne pas, lui. On peut passer euh, la diapo. Là, c'est son père, Adrien Proust, qui part à Venise. Alors, il est déjà relativement âgé, mais il ne va pas avec sa femme. Comme la plupart de ces hommes euh, brillants, riches, eh bien, il a des maîtresses. Pas tant que ça, mais il en a quand même quelques-unes. L'une d'entre elles, d'ailleurs, qui était à la fois la maîtresse euh, de, euh, comment dirais-je, Adrien Proust et euh, comment dirais-je de ce noncle veille euh, sera l'objet d'une sorte d'amour du tout jeune Marcel qui s'amourage très facilement de beaucoup de femmes, mais elle le renverra promener, si je puis dire. En euh, disant qu'il est très mignon, mais c'est un petit fragile, parce que du côté maternel, on fabriquait de la céramique, c'est comme ça euh, que ce grand-oncle s'était enrichi. Donc là, il est à Venise avec sa maîtresse. Mais pour ce qui est de notre Marcel Proust, et on va voir euh, les vues qui suivent, eh bien, il est euh, notamment. Il y va avec sa mère sur les traces de Ruskin et j'ai choisi de vous présenter mais c'est dans l'expo puisque les diapos que vous voyez ici proviennent de l'exposition alors parfois j'ai pas réussi à les prendre très très droit je vous prie d'excuser la qualité très moyenne de mes diapos mais n'était pas très simple vu qu'il y a pas mal de monde. Donc il va être tout à fait intéressé par un de ces artistes qui passent par Paris, James Abbott-McNeill Whistler notamment. Et il y a une, un, un certain nombre, une série de ces palais vénitiens qui le fascinent parce qu'ils sont à la fois exceptionnels, mais en même temps, Venise est, est à une époque où il y a une forme de décadence physique qui apparaît. On peut les passer successivement, si vous voulez bien, faire acheter. Donc voilà, sur le grand canal, un des palais vénitiens et euh, la suivante maintenant on va voir sur un canal plus étroit euh, avec ce virage euh, l'endroit voyez euh, sur la gauche un peu sombre puisque nous sommes dans les rues de Venise hein, il faut inverser notre habitude et, et c'est là qu'on débarque les marchandises hein. c'est l'entrée euh, des fournisseurs alors ce qui fascine Ruskin, et ce qui va de la même manière fasciner notre, euh, comment dirais-je, écrivain, c'est le mélange entre l'eau et la pierre, ce dialogue absolument particulier. Et donc, euh, cette, euh, disons, traduction euh, de Ruskin s'appuie sur cet amour de Venise qu'il aura. On peut passer à la suivante. Et voir que Monet est passé également par Venise assez tardivement hein, par rapport à sa carrière, mais il est évident que cette vue de la salouté est, est euh, si vous voulez, postérieure au premier voyage, je crois, que Marcel Proust a fait, mais elle est tout à fait dans cette logique. On peut passer à la suivante également, avec notamment ici... Euh, comment dirais-je, ce texte qui représente euh, là euh, toutes les euh, traductions, toutes les corrections qu'il faisait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir donc qu'il biffe, qu'il rature beaucoup de ce qu'il écrit, qu'il va écrire un petit peu dans tous les sens. Et dans celle d'après, vous allez voir qu'il y a quelque chose d'encore plus incroyable, c'est ce qu'on appelle les placards. Les placards, euh, ce sont finalement ces pages qu'il réécrit non-stop et parfois quand il n'y a plus de place, eh bien, il va rajouter des petits papiers et notamment parce qu'après donc euh, la Bible d'Amiens, il y aura le roman de Jean Santeuil qui est très ambitieux, mais bon qui ne va pas euh, dans les années 90, qui ne va parvenir à rien et à partir de 93 véritablement euh, il va il y aura aussi des jours et des mois, mais il va s'attaquer à euh, la recherche du temps perdu. Et notamment, euh, les différentes personnes qui vont travailler euh, avec euh, lui, et notamment Cécile euh, Céleste Albanel, son incroyable dame, j'ai envie de dire, de compagnie, euh, va euh, avec l'aide d'une secrétaire, comment dirais-je, de euh, Gallimard. Va réussir à faire ces espèces de collages qui sont presque des œuvres d'art. Et justement, je crois que dans l'exposition de la BNF, on a ces placards qui sont complètement étonnants. On peut continuer si vous voulez bien. Alors, nous sommes au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Donc, un des propos de l'exposition, c'est aussi d'essayer de démêler euh, la judéité éventuelle. De Marcel Proust, chose qui a été occultée par les Proustiens pendant très longtemps, pour différentes raisons. D'une part, parce que lui ne s'en est jamais vraiment réclamé, et puis aussi parce que dans le climat qui a été celui qui a suivi, euh, disons, à partir des années 20-30, l'antisémitisme était tellement violent, il va aboutir au désastre de la Shoah un petit peu plus tard, que pour les Proustiens, c'est le sujet un peu tabou. Or, dans cette exposition, on marque un certain nombre d'éléments. Et là, je vous ai mis la petite plaquette parce que l'on voit, euh, comment dirais-je, exactement ce que, euh, comment je euh, ce qui est écrit à propos de la recherche du temps perdu, où Proust mentionne. Euh, dans un des cahiers, dans ce qui va travailler, ce qu'on appelle, c'est faire à euh, SOA. Le livre de la splendeur, qui est une œuvre maîtresse de la Kabbale. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va le relier à Venise. Il y a un judaïsme très présent, très tôt à Venise. Hein, le, le terme de ghetto, d'ailleurs, de Venise, c'est un terme euh, qui vient du premier quartier où se sont établis les Ashkénazes. Ghetto, ce qui en vénitien veut dire euh, le, euh, la fonte. Euh, le euh, métal fondu. Et comme les Allemands ou les gens qui venaient d'Europe du Nord ne savaient pas dire le jet mouillé eh bien, ils en ont fait un ghetto, ce qui est devenu pas du tout le quartier des fonderies, qui était euh, un quartier simplement pas très cher, mais euh, qui, évidemment, est devenu un, un espace de propre. Donc, il connaît cette littérature, et il la connaît parce que certains éléments du judaïsme sont repris en famille, pas forcément pour des raisons religieuses, mais pour des raisons rituelles. On peut passer la suivante, puisqu'on va voir ce livre en question. Qui est présenté dans l'exposition. Et puis le Talmud, voilà le Zohar hein, qui participe à la Kabbale. Donc là, c'est un texte quelque peu hermétique. Hein. La Torah, qui est peut-être le livre que vous pouvez montrer juste après, la diapositive suivante. Le Talmud de Babylone, là, est davantage centré vers une lecture des textes, la Torah étant cette loi, euh, si vous voulez, euh, fondamentale du judaïsme. On va euh, continuer. Donc, il y a ces éléments qui sont présents dès le départ et dès, euh, si vous voulez, ses rapports avec sa mère sur le plan intellectuel, puisqu'à Venise, justement, il y a ce lien avec le judaïsme et que sa mère, étant juive, est cultivée elle peut l'aider à comprendre certaines choses. Mais encore une fois, c'est pas tant religieux que véritablement culturel. Alors, les lieux emblématiques. Eh bien, il y a le salon aux trois lampes de Tadé Nathanson. Tadé Nathanson, c'est le rédacteur euh, en chef euh, de la revue Blanche. On va voir après. Mais ici, vous avez un très beau tableau d'Edouard Vuillard. Vuillard fréquentera également Proust. Il fera partie du mouvement des Nabis, les Nabis, ça veut dire les prophètes, hein, en hébreu ou en arabe. Et, et donc, il représente ce milieu privilégié de ces salons que Marcel essaiera de façon vraiment permanente. Il essaiera d'y rentrer parce qu'il sent que c'est là qu'il va trouver la matière de ce grand roman qui peu à peu lui apparaît. On continue vous allez voir l'affiche de la revue blanche ici, qui donc est un espace euh, de euh, discussion concernant tout ce qui est l'art, la culture, qui prend souvent des positions un petit peu révolutionnaires pour l'époque. Continuons. Alors, dans ces lieux, on peut passer à la prochaine. Dans ces lieux, euh, alors... Ça se passe évidemment dans cette partie de Paris qui fait partie du Paris qui a grandi à partir des années 1860, quand on a fait entrer des villages comme Auteuil, comme Passy, ça c'est dans le 16e dans l'ouest parisien, ou même Montmartre dans le nord de Paris. Euh, on va développer un urbanisme, on l'a dit avec Haussmann, assez, euh, si vous voulez, différent peu d'hôtels particuliers mais euh, des immeubles dans lesquels les propriétaires étaient à l'étage noble au premier étage et là vous avez une vue très originale d'un euh, peintre qui sera euh, lié aux impressionnistes gustave caillebotte alors d'une riche famille et qui va soutenir la plupart de ces euh, comment dirais-je peintres il paiera le loyer de monnaie de Renoir, il achètera leur toile. Et si elle est placée dans l'exposition du mage, c'est précisément pour vous montrer donc, que cette société à la fois chrétienne, catholique et juive va se retrouver dans les mêmes endroits pour ce qui est de ces familles qui sont, euh, comment dirais-je, puissantes et riches. On passe la, la suivante, toujours de Caillebotte, qui vous montre un petit peu à quoi ressemblent ces grandes avenues qui sont faites pour être modernes, mais aussi, disons-le, la demande de Napoléon III, eh bien, pour fournir des passages à l'armée le jour où elle veut s'opposer euh, au peuple qui, de temps en temps, a fait des barricades. Hein, toute la première partie du 19e siècle nous, nous le montre. Alors, continuons. Donc, dans cette société, euh, dans la précédente exposition, on ne parlait pas de la Normandie, mais là, nous allons voir la normandie en question puisque là aussi c'est dû euh, comment dirais-je au second empire à celui de napoléon iii eh bien la bonne société s'est installée en grande partie en normandie Alors, on va voir la diapo suivante là vous aviez tout un mur où étaient présentés ils le sont toujours d'ailleurs hein, euh, ces tableaux d'eugène boudin alors, Eugène Boudin est un peintre qui s'est formé un petit peu tout seul, en autodidacte, et qui va être un des premiers à peindre sur le motif. Hein. Le tout premier, c'est Corot, mais Eugène Boudin va en faire sa marque de fabrique et surtout, c'est le premier à aller directement sur les plages. Euh, Deauville, Trouville étaient, on peut les passer effectivement pendant que je parle, Deauville et Trouville étaient... Bah, de petits villages de pêcheurs sans importance mais il se trouve que le duc de morny a décidé de faire une opération immobilière il a trouvé l'endroit charmant grâce au train qui se développe en grande partie grâce à napoléon iii on peut désormais aller de paris en normandie et la bonne société va s'y installer quand il fait beau on va développer euh, les sports nautiques on va se baigner et même si on ne se baigne pas, eh bien vous avez ici toujours de boudin, euh, une, euh, un groupe de personnes qui se retrouvent sur les plages et qui vont échanger. Continuons. On peut passer les suivantes. Voilà. Là, c'est beaucoup plus tard, en 1910. Xavier, François Xavier Prinet, la plage de Cabourg. Vous voyez qu'on est dans cette atmosphère extrêmement chic. Ce sont des endroits que Proust adorera euh, visiter. Et d'ailleurs, ben, il ira un peu entre les deux à Yé combray où sa tante Léonie aura une pr propriété. Euh, nouvelle diapositive, s'il vous plaît. Voilà, un nouveau Bouddha. on peut passer. Alors, il fait ça, euh, comment dirais-je il, il fait des petits dessins. Vite fait sur la plage et puis ensuite il va les reproduire et ça va avoir beaucoup de succès. Alors Monet fera comme ses petits camarades Monet du Havre hein, notamment au fleur le Havre et donc voilà l'hôtel des Roches Noires à Trouville où il résidera mais c'est aussi le lieu préféré de Marcel Proust quand il vient euh, donc en Normandie. On continue. Alors plus tard Vuillard à nouveau avec Annette. Euh, sur la plage, donc en costume, euh, si vous voulez, un petit peu sportif. L'idée est très intéressante de voir que les sports, ça commence en gros avec Napoléon III. Et Napoléon III euh, pense qu'il faut développer les lieux publics pour que les gens puissent faire du sport et avoir une bonne hygiène. Il ouvre des parcs publics et donc on va encourager les gens à faire du sport. Voilà, ici Alice lisant sur la plage de Deauville par Paul César Helleux. Paul César Helleux, euh, c'est un des euh, aussi personnages de cette société qui euh, connaîtra un peu Proust, mais euh, donc euh, il représente euh, Alice, qui, est, euh, qui était une jeune femme d'une famille bourgeoise dont le père a demandé à Hélo de faire un portrait, et puis ils vont tomber amoureux, et ils vont l'épouser. Donc c'est cette société là que veut euh, présenter Proust, et dans cette société on ne fait pas différence de différence entre les Français d'origine, euh, disons depuis très longtemps, les chrétiens et les juifs. Continuons. Voilà, Robert de Saint-Loup, alors là, on est beaucoup plus tard. C'est Kis van Dogen, hein, donc c'est presque 30 ans, pas tout à fait, 20 ans, euh, 25 ans après la mort de Proust. Euh, Kis van Dogen, qui est venu de sa Hollande natale, euh, va être passionné par Proust. Et notamment, il va euh, faire, là, c'est une gouache hein, qui est euh, représentée. Qui représente ce personnage un petit peu, euh, justement, excessif, un petit peu ambigu euh, du travail. Et dans euh, la diapositive suivante, on va voir également une scène, alors, euh, à la recherche du temps perdu. Là, ce n'est pas euh, une illustration, c'est vraiment un petit, euh, je crois que c'était une aquarelle qu'il avait faite, où vous retrouvez avec une mode un tout petit peu différente, plus moderne. Et puis la dernière diapo de Kees van Dongen représente l'illustration de la recherche du temps perdu, donc qui date de 47. Alors euh, continuons s'il vous plaît. Les affiches à Trouville, Raoul Dufy en 1906, c'est assez inattendu d'ailleurs. Hein, c'est on connaît Dufy pour d'autres choses. Bref, c'est vraiment cette société là qui passionne et dans lequel on, on a cette diversité d'origine. Continuons. Alors, les tilleuls à Anfreville, de Vuillard, donc, on est toujours dans ce coin-là, dans cette société-là, où on va retrouver un peu tous les protagonistes qu'on aurait dans les autres, euh, comment dirais-je, dans les autres ouvrages. Continuons. Alors, encore une fois... Le fait qu'il s'intéresse à Roskin, qu'il aille à Venise, l'amène à réfléchir à certains textes hébraïques. Mais il y a d'autres choses propres à la famille, et notamment la famille Veil. Alors, on va voir, par exemple, qu'il y a un intérêt particulier pour la pièce de Jean Racine Esther, donc qui est un des chefs-d'œuvre, euh, qui a été d'ailleurs euh, mise en scène par, euh, si je puis dire, par les Jeux du Fille euh, du pensionnat de Saint-Cyr que Madame de Maintenon, la dernière épouse de Louis XIV, avait créé. Donc c'est une pièce à laquelle la famille est très attachée. Continuons et notamment. Euh, tout le monde a été voir Sarah Bernard dans Esther en 1905. Alors Sarah Bernard euh, représente là aussi une icône tout à fait caractéristique de l'époque. C'est une femme d'une euh, famille euh, modeste et... Euh, Courtisane, mais pas dans le très grand sens du terme. On va dire ça comme ça, mais elle est une actrice extraordinaire. Elle est juive d'origine et sans l'affirmer, elle ne le reniera pas. Et surtout, bah, c'est la première artiste moderne de son temps. C'est la première star internationale qui va réussir. Alors, elle fait des tournées jusqu'à un âge quand même assez conséquent euh, aux États-Unis, en Russie, dans des tas d'endroits en Amérique. Et. Elle affectionne particulièrement ce rôle d'Esther dans lequel elle sera encensée. Et surtout, elle prendra fait et cause, on va le voir, pour, euh, comment dirais-je, euh, euh, Dreyfus hein, au moment de l'accusation, mais pas parce qu'elle est juive parce qu'elle est assez moderne. Là, c'est un tableau de Frank Franken, qui est un peintre flamand, il est conservé au Louvre, enfin hollandais plus exactement, et qui représente la rencontre d'Esther et d'Assuérus. Très rapidement, euh, dans les textes bibliques, on nous raconte qu'Assuérus et à Artaxerces Ier, probablement, un perse achéménide va soumettre donc euh, la ville où les juifs vont devoir obéir euh, à ces euh, comment dirais-je à ces achéménides. Euh, mardoquet qui est l'oncle euh, d'Esther, euh, se soumet, mais euh, ne pactise pas, et va être accusé par un autre de ses congénères qui s'appelle Aman de fomenter un complot. Contre Asuérus, il sera condamné à mort. Et Esther va aller plaider la cause de son oncle, alors que théoriquement, les femmes juives ne devaient pas paraître euh, devant, euh, comment dirais-je, ce roi. Et en fait, elle va être tellement émue qu'elle s'évanouit. Alors là, il y a la rencontre, et si on voit la diapo suivante, on va comprendre ce qui se passe. Elle est tellement émue qu'elle s'évanouit. Et. Asuérus est touché au cœur, voyez qu'il se lève pour aller la soutenir, d'où la surprise du personnage qui est à droite. Et non seulement il va lui pardonner, il va, euh, comment dirais-je, libérer en, en fait euh, Mardoké et Aman sera puni de sa traîtrise et il épousera Esther. Il se trouve que ce tableau. Était dans la famille Veille. Il appartenait donc à la mère de Marcel Proust. Continuons. Et notamment, alors là, ça appartenait pas à la famille, hein, c'est relativement récent, mais cette fête de Purim, qui est une sorte de carnaval, qui va se jouer par rapport justement au triomphe d'Esther et à la libération de Mardoquet. Ces popées de pourim, eh bien, étaient présentes et c'est une fête que l'on respectait chez l'éveil. Pas tant pour le côté religieux, hein, encore une fois, ils ne sont pas de très stricte euh, obédience, mais parce que ça faisait partie d'un contexte culturel que la famille privilégiait. Continuons. Voilà une crécelle qu'on tournait, Hein? Vous voyez, euh, on tenait le manche et puis on fait ce mouvement et euh, la crécelle fait du bruit. Et on sortait déguisé. Il y a toujours ces fêtes hein, qui sont euh, respectées, par exemple, en Israël. C'est un carnaval. Hein? Toutes les religions euh, vont avoir un carnaval avec des motifs différents. Continuons, s'il vous plaît. Et donc, est euh, exposé euh, au musée d'art judaïque pour l'exposition, ce qu'on appelle le Megillat Esther, ce rouleau d'Esther, toujours écrit sur un rouleau, évidemment, toujours en hébreu. Et comme pour la Torah, si un seul caractère, euh, comment dirais-je, il y a euh, euh, un seul caractère est altéré, eh bien, on doit réécrire tout le rouleau, toute la Torah. Continuons. Il y a l'autre bout dans la diapositive suivante. Voilà, l'autre partie. Et vous remarquez que c'est un mégilate qui vient de Venise, hein, encore une fois. Continuons. Alors, venons-en à l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, elle va éclater dans les années 90. C'est un problème de trahison on va passer la diapositive suivante, euh, qui, une lettre est retrouvée, ce n'est pas celle-là, hein. je vais vous expliquer ce qu'elle veut dire, un papier retrouvé par une femme de chambre qui semble être sur une lettre qui donne des indications aux ennemis de la France à l'époque. Ben, les ennemis de la France à l'époque, eh c'était du côté notamment de la Prusse, euh, de l'Est, euh, qu'ils se trouvaient. Et euh, tout ça va amener à accuser le capitaine Dreyfus, qui est un soldat euh, qui n'est euh, pas très aimé. Hein. Il est assez rigide, assez froid, mais c'est un excellent soldat qui a été euh, tout à fait euh, récompensé. Euh, il va être accusé. Il va être accusé de traîtrise. On va... Euh, provoquer un procès, on va voir tout ça après. Et en fait, il va être envoyé aux travaux forcés. Alors que, très vite, on va comprendre que c'est un faux qui a été déposé et qu'il s'agit d'un autre personnage qui s'appelle Esterhazy et qui est tout à fait euh, particulier, euh, tout à fait, euh, comment dirais-je, suspect. Mais l'armée ne voudra pas se déjuger. Et ça va provoquer une fracture intense entre la société française, entre les Dreyfusards et les anti-dreyfusards. Les dreyfusards, vous avez Émile Zola, par exemple, vous aurez Clémenceau, Émile Zola écrira en euh, 1898, euh, 18, si je ne m'abuse, j'accuse vraiment un texte d'une force et d'un courage extraordinaire dans l'Aurore, et dès le lendemain, Proust lancera aussi une sorte euh, bah, de… Euh, protestation contre la violation des formes judiciaires. Et euh, ce qui va se passer, c'est donc qu'il sera Dreyfusard, mais qu'il est dans un milieu extrêmement partagé, où beaucoup de ses amis seront anti-Dreyfusard, et notamment celui qui fut un de ses amants, Lucien Daudet, le fils d'Alphonse Daudet, le très, très grand écrivain, qui sera un des amants de Marcel Proust alors là cette lettre à Robert de Montesquieu elle lui est envoyée Robert de Montesquieu je vais vous le montrer dans un instant c'est un personnage très extravagant qui est vraiment indispensable dans cette société culturelle euh, va euh, lui demander pourquoi il s'est pas mêlé d'une conversation justement entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard et voilà ce qu'il lui a répondu, vous le voyez écrit. Si je n'ai pas répondu hier à ce que vous m'avez demandé concernant les juifs, c'est pour cette raison, c'est très simple. Si je suis juif, si je suis catholique comme mon père et mon frère, par contre, je suis, ma mère est juive, vous comprendrez que c'est une raison assez forte pour que je m'abstienne de ce genre de discussion et je trouve qu'il est plus respectueux de vous l'écrire que de vous répondre de vive voix. Et là, on est au centre de la problématique de Marcel Proust qui ne veut pas euh, rejeter ses racines juives puisqu'il admire sa mère et que ça fait partie de son histoire, mais qui ne se sent pas plus juif qu'il ne se sent catholique. Et il veut rester, en dehors de cela, c'est pas de la lâcheté c'est probablement le fait qu'il ne se prononcera jamais, que pour lui ça n'est pas important. C'est-à-dire qu'il ne se prononcera pas comme un catholique, pas plus que comme un juif. Alors on peut passer la suivante, s'il vous plaît. Vous avez là euh, des illustrations qui représentent Alphonse Dreyfus sur le banc des accusés, donc en 98. On va les passer là euh, assez rapidement. La suivante, voilà. Il est envoyé à l'île du diable, où euh, ce sont des conditions assez épouvantables en Guyane, hein, où euh, c'est vraiment euh, assez euh, terrible. Mais on va continuer à, à disons, développer ces procès. Continuez, s'il vous plaît. Et là, vous avez, alors c'est le ministère, le ministre Brisson, donc qui est en train de voir le peuple. Et vous voyez ce qui est marqué, mort aux juifs. C'est-à-dire qu'en fait... L'antisémitisme, qui était relativement peu développé, va exploser avec l'affaire, comment dirais-je, euh, Dreyfusard. Et donc, euh, on va être pris entre deux courants. Suivante, s'il vous plaît. Voilà différents protagonistes hein, sur lesquels je ne vais pas. Euh, m'étendre hein, qui viennent alors vous aurez euh, un des premiers euh, accusateurs qui va comprendre que c'est faux et qui va soutenir dreyfus il sera d'ailleurs emprisonné un certain temps il deviendra ministre de euh, l'armée après euh, si vous voulez euh, à, 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 comment dirais-je avant la guerre de 14. continuons la suivante s'il vous plaît Là, souvenez-vous du masque de fer. Ça, c'est pour montrer combien on est partagé. Le masque de fer, c'était théoriquement le frère jumeau de Louis XIV qui aurait été enfermé toute sa vie portant un masque de fer pour qu'on ne voit pas que c'était le jumeau de Louis XIV. Et euh, notamment, c'est Dumas qui écrira euh, un roman. Ça reste un mystère, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et là, vous voyez que, en quelque sorte, la France. Un peu interrogative, hein, qui est une sorte de bégère tenant le balai, est en train de regarder cela et se demander euh, si vraiment elle est manipulée ou pas. Continuons. Et la dernière, c'est le petit journal qui montre la dégradation d'Alfred Dreyfus, Dreyfus et au final, vous savez qu'il sera euh, réhabilité. Donc, ça, c'est très important parce que Proust. Euh, s'affirme Dreyfusard par un amour de la justice, mais pas par, je dirais, un lien avec la judéité. Mais à partir de ce moment-là, on va commencer à le stigmatiser par rapport au judaïsme continuant, c'est-à-dire qu'on va commencer à euh, le dénoncer comme juif. Certains écriront, euh, donc je cherche dans quel... Euh Comment dirais-je, c'était euh, indiqué? Est-ce que je vais le retrouver? Voilà, c'est euh, comment dirais-je euh, Drummond, un sinistre personnage qui, pendant la guerre, euh, la seconde guerre, va euh, participer au, aux textes les plus épouvantables euh, contre les Juifs qui euh, va le signaler comme juif dans la libre-parole, qui, malgré ce titre sympathique, était un journal absolument épouvantable. Alors, la judéité, elle se manifeste aussi par certains amis. Charles Efrussi est euh, ce euh, euh, naturalisé français qui était russe, qui vient s'installer en France, qui est collectionneur, marchand d'art. Et là, vous avez de Léon Bonin, un des grands portraitistes de la fin du XIXe siècle, qui le représente. Et le tableau d'après, vous allez voir, il est assez savoureux à tous les sens du terme. Il représente une asperge, puisque Charles Eiffrucy avait demandé à Manet de représenter euh, bah, une bonne asperge. Et il était tellement content du travail qu'il a payé Manet plus cher que ce qu'il avait demandé émanait, va renvoyer une asperge euh, peinte donc sur ce tableau à pas en lui disant qu'une asperge en gros était tombée de la botte qu'il euh, avait faite et qu'il lui restituait. Donc Charles, Charles Frusci, c'est un personnage euh, vraiment fondateur, un petit peu euh, enfin disons qu'il va être à l'origine d'un euh, des personnages. On peut passer la suivante, s'il vous plaît. Et notamment, il est lié à ce tableau. Alors, ce tableau-là, c'est de Gentile Bellini, qui était le frère aîné de fameux Giovanni Bellini, que l'on connaît davantage maintenant. Mais Gentile Bellini est un des peintres les plus célèbres, euh, le peintre officiel de Venise, qui est envoyé par la Sérénissime au XVe siècle pour faire le portrait de Mehmet El-Fati. Mehmet El-Fati, c'est euh, le conquérant ottoman de Constantinople, qui devient Istanbul. Et euh, Venise, vous le savez, a des intérêts commerciaux avec l'Orient. Elle ne veut absolument pas perdre cela, donc elle va proposer, euh, il va y avoir des accords commerciaux, et à la demande de Mehmet II, elle va lui envoyer son meilleur peintre pour faire un portrait. Donc voilà ce portrait. Et maintenant, euh, avec la diapo suivante, voilà ce euh, que, euh, comment dirais-je, euh, Swan cite à propos de euh, ce euh, tableau, euh, à propos d'un des personnages qui s'appelle Block. Donc par le nom, on peut comprendre qu'il est juif. Ah oui, c'est ce garçon que j'ai vu une fois ici qui ressemble tellement au portrait de Mahomet II par Bellini. Ah oui. Oh, c'est frappant. Il a les mêmes sourcils circonflexes, le même nez recourbé, les mêmes pommettes saillantes. Quand il aura une barbiche, ce sera la même personne. Et c'est Swann qui parle. Et on voit ici, donc c'est Proust qui écrit, donc il fait référence à ce personnage d'Efrussi et qu'il présente cette sorte de manière, parfois un petit peu premier degré innocente, de représenter le caractère, si vous voulez, un petit peu oriental de certains juifs. On parlera euh, d'ailleurs euh, parfois euh, du caractère assyrien euh, de certains juifs. La photo. Euh, la dernière photo sur son lit de mort, qui a été faite entre parenthèses par Maneret avant qu'il soit connu de Marcel Proust, a été qualifiée d'un profil assyrien. On continue, s'il vous plaît. Alors, autre personnage juif, c'est cet homme qui est dans l'embrasure de la porte, euh, qui est Charles Haas. On est dans le cercle de la rue royale. Alors, plus chic que ce cercle-là, il n'y a pas. Vous voyez que c'est un cercle évidemment masculin. Les cercles étaient masculins, les salons pour la plupart du temps étaient féminins. Et Charles Haas, donc est juif, euh, d'une riche famille, assez euh, également érudit. Et ce tableau, il est très parlant. Pourquoi Parce qu'il montre que tous les personnages du cercle sont plutôt rassemblés. Lui, il est un peu à part, il est admis, mais en même temps, on commence à trouver des petites différences, c'est-à-dire qu'il y a une forme, en quelque sorte, euh, un petit peu d'antisémitisme larvé qui commence à se manifester. Continuons, s'il vous plaît. Alors, une de ces actrices et de ces belles horizontales, hein, j'adore ce terme, qui indique assez qu'avant d'être une actrice ou euh, euh, quelqu'un qui, euh, comment dirais j'ai connu pour telle ou telle raison, étaient ces femmes, ces courtisanes qui donnaient à des messieurs mariés de façon un peu triste ou nette. À l'époque, on épouse un nom, on épouse une dot. On n'épouse pas par amour, hein, ça se fait plus, hein, ou ça ne se fait pas encore. On va trouver du plaisir chez ces dames. Et on commence à parler de Louisa de Mornan comme étant justement une de ces figures qui vont peut-être être, être d'origine judaïque et puis qui vont séduire certains de ces messieurs et notamment Charles Haas continuons vous avez ici mademoiselle Lantelme alors actrice assez extraordinaire collectionneuse d'amants absolument fabuleuse et qui là aussi sera tout à fait intégrée dans cette société est reprise sous certaines formes dans le roman de Proust. Continuons. Alors, un personnage est très particulier, c'est Charlus. Et Charlus, notamment, va s'inspirer, et nous allons voir de qui avec la diapositive qui suit. On va passer l'autre diapo. Euh, voilà. De Robert de Montesquieu-Fezanzac. Alors, Robert de Montesquieu-Fezanzac est un personnage totalement extravagant, tout à fait euh, important, puisqu'il va permettre notamment euh, à euh, Proust de rentrer dans les salons les euh, plus recherchés euh, de euh, la comtesse de Griffoy, notamment. Et euh, c'est un personnage qui se pique également d'art, il illustre, on verra une illustration qui est de sa part, et c'est un personnage très particulier parce qu'il est notoirement homosexuel. On dirait de nos jours, de façon un petit peu ironique, c'est un peu ce qu'on appelle vulgairement une grande folle. Mais en même temps, il est d'une grande famille, et donc, eh bien, ça va être un personnage très particulier. Pourquoi il est évoqué dans cette exposition, il n'est pas du tout euh, d'origine euh, juive, mais parce que d'une part, euh, c'est lui qui écrit à Proust, hein, on a vu cette lettre qu'il concernait tout à l'heure, lui demandant pourquoi il s'est pas exprimé. Et puis aussi parce que peu à peu, le fait qu'il soit homosexuel, l'homosexualité, va rejoindre le judaïsme en ce sens que ceux qui sont soit homosexuels, soit juifs, vont être euh, un petit peu à part. Et en fait, ça va se faire notamment à la suite de cela. Et bien sûr, celui qui est concerné par les deux choses, alors malheureusement, là, ma diapo est épouvantable, hein, c'est une caricature qui le montre. Pendant ce temps-là, il se pavane sur le boulevard, en fait, euh, et euh, donc... Euh, euh, C'est en fait euh, l'illustration de la recherche, mais tout le monde savait de qui il s'agissait. Et derrière, vous avez la photo euh, notamment d'Oscar Wilde, qui va payer très cher son homosexualité, puisqu'il sera mis en prison. Ben, euh, il va venir à Paris, hein. on pense que Proust euh, l'a connu. Mais Proust, en tout cas, lui, euh, ne revendique rien. Il va même euh, être dans des positions un peu compliquées. C'est-à-dire avoir des amants, je vous les ai cités, Ronaldo Hahn, par exemple, Montesquieu euh, a ce côté un peu excessif, est-ce que oui ou non Là, ça ne sera pas clair. Et en même temps, euh, comment dirais-je Il, il euh, si vous voulez, il ne cherchera pas à faire illusion. Il ne cherchera pas à se marier. Il n'aura pas officieusement euh, de, euh, comment dirais-je, de maîtresse ou autre élément. On continue, s'il vous plaît. Voilà, alors un portrait plus respectueux de ce comte Robert de Montesquieu fait donc euh, qui vraiment est une des inspirations de Charlus, entre autres choses, hein, qui s'affirme euh, par ce côté euh, également, euh, euh, si vous voulez, homosexuel. Continuons. Alors voilà Robert de Montesquieu euh, qui a illustré avec les filles en fleurs. Euh, comment dirais-je à hein, une partition de euh, parsifal de wagner donc il est piqué euh, par beaucoup de choses et il représente ce personnage particulier euh, qui à la fois peut être un petit peu à l'écart de la société puisque plus on va aller plus la bonne société va commencer à stigmatiser l'homosexualité qui était admise du moment qu'elle était discrète. Et d'ailleurs, beaucoup d'antitréfusards euh, virulents, euh, je vous ai parlé de euh, Lucien Daudet et également du critique Le Roi, avec lequel euh, Proust se battra en, en duel, parce qu'il avait critiqué son premier ouvrage, hein. euh, bah, euh, c'était des homosexuels affirmés, mais qui vont être violemment Tidérifusards. Et autre personnage qui fait partie de ce milieu un peu interlope, c'est Albertine, Voilà qui se vend toujours dans les illustrations Albertine euh, allant aux douches. Hein. C'est ce qui est représenté ici continuellement, s'il vous plaît. Et on va terminer avec euh, Jean Cocteau et les Ballets Russes. Alors, euh, diapositive suivante. Après la guerre, notamment, la guerre de 14 que euh, Proust vivra. Alors, Proust, en fait, euh, va euh, s'isoler. Il habitait Boulevard Haussmann euh, pendant assez longtemps, jusqu'à la mort de son père d'abord en 1903, de sa mère en 1906. Ensuite, il est allé dans différents appartements. Et il va finir dans un appartement avec juste Céleste Albanel, notamment, qui va en quelque sorte s'occuper de lui. Mais il sort quand même. Et euh, pendant la guerre donc euh, de 14, il va rester en France et surtout il va faire la connaissance de Cocteau. Jean Cocteau, eh bien c'est un petit peu ce que Marcel Proust aurait aimé être par rapport à la société. c'est-à dire que Cocteau est homosexuel et il ne s'en cache absolument pas. Il cherche pas si vous voulez, avec parfois une certaine... Euh, Maladresse comme Cocteau a pu le faire euh, comme Proust a pu le faire au début a laissé euh, disons à nier euh, les euh, différents soupçons entre guillemets le concernant mais il est allé avec ça il est d'une famille également très aisée et c'est un homme brillant et il va l'initier à cette révolution des balais russes qui vont commencer à se développer en gros, euh, si vous voulez, un petit peu avant euh, la première guerre et ensuite dans l'entre-deux-guerres. Et il va devenir... Euh, ben Cocteau va le rencontrer fréquemment et euh, va rencontrer Proust. Et là, vous avez une caricature de Cocteau qui représente Marcel Proust dans sa police. Marcel Proust était devenu incroyablement frileux et même quand il écrivait la nuit dans son lit dans cette euh, rue euh, dans cet appartement de la rue Hermelin où il avait fait mettre des plaques de liège à la fois pour éviter l'air et le bruit extérieur eh bien il était recouvert par cette sorte de pelisse dans lequel Cocteau le représente euh, évidemment de manière un petit peu ironique mais absolument pas méchante et on va voir la suivante diapositive qui montre notamment euh, un portrait dit de Léonie de Massine, un petit peu une caricature, représentant Serge de, Serge de Diaghilev, qui est euh, le chorégraphe des ballets russes, Léon Baxte, qui en l'occurrence euh, est, euh, ce sont les deux à droite, euh, comment dirais-je, le décorateur. et… Euh, le euh, celui qui crée les costumes le costumier excusez-moi des ballets russes et puis vous avez le jeune pablo picasso qui a été également mis en relation avec cocteau cocteau va l'amener d'ailleurs en italie euh, Pablo Picasso était devenu euh, le maître du cubisme au contact de Picasso il va se remettre à faire euh, du figuratif mais très étonnant et il va participer au ballet russe hein. il fera le rideau de scène et certains des décors du euh, ballet parade et euh, Proust va le rencontrer et il dira cette chose il dira qu'il comprend pas vraiment les tableaux de Proust mais qu'il pressent tout à fait que c'est un grand artiste on peut passer à la suivante voilà une photo de Nijinsky dans le Dieu bleu, Nijinsky également homosexuel, et Nijinsky qui est absolument euh, admiré de tous. Continuons. Et on va voir derrière une petite sculpture de Rodin qui représente euh, Nijinsky. Alors il était ébloui par ces sauts incroyables euh, qu'il faisait. Continuons. Et là, euh, une illustration de Léon Basque euh, pour euh, Bacante, un des ballets. Continue encore. Là, un projet de chapeau pour Misia Certes. Alors, Misia Certes, c'était la femme de Tadine Atanson. Et elle a eu plein de maris célèbres, elle s'est mariée plusieurs fois. Et en fait, euh, Midia, certes, c'est certes, un des peintres, euh, comment dirais-je, qui va euh, faire le euh, Rockefeller Center à New York, hein, les grandes euh, fresques qui ont été faites à l'intérieur euh, pour remplacer celles précédentes. Vous l'avez donc ici. Et en fait, c'est une des euh, grandes euh, donatrices pour le, euh, les ballets russes. Et donc, euh, précédemment, on voyait un chapeau, une lettre qui était envoyée par Bast, qui lui avait euh, fait un chapeau. Et, et là, euh, ben, vous retrouvez Pierre Bonnard aussi, hein, qui fait partie des nabis de ce cercle-là. Et euh, donc… Euh, Cocteau disait que c'était Madame Verdurinska, évidemment en rapport à euh, Madame Verdurin notamment. Euh, autre diapositive, s'il vous plaît. L'Aïda Rubinstein en chez Razade, donc. Et vous voyez, alors ça c'est Jacques Émile Blanche que je vous avais pas mentionné. Il était très présent dans l'expo de carnavalet et c'est un ami d'enfance. Ils se sont retrouvés à Auteuil alors qu'ils étaient enfants. Ils sont allés ensemble en classe et donc, euh, eh bien, il fait partie de ce cénacle très important. Continuons. Voilà la coiffe de Léon Basque qui a été réalisée pour Ida Rubinstein. Euh, continuons. Et enfin, si vous voulez. Euh, l'exposition s'achève sur tes, cette évocation des ballets russes, qui montre quoi Qui montre la progression de Proust par rapport à différents éléments. Alors, euh, par rapport évidemment à cette envie de participer à ces cercles, à ces réflexions, à ces milieux novateurs, qui montre également comment Proust, euh, qui ne se sent ni juif ni catholique, ce euh, n'est pas le propos, ce n'est pas la religion qui est le problème principal, peu à peu va tout de même aller vers une forme de reconnaissance de la judéité, de la sienne euh, et pas seulement par amour pour sa mère et par les liens étroits qui étaient entre eux, mais qui va peu à peu voir que ce euh, comment dirais-je, ce judaïsme joue un rôle culturel et politique de plus en plus important. Avec l'affaire Dreyfus, on s'aperçoit donc qu'il choisit son camp de façon désormais plus précise, même si encore une fois il refuse de prendre fait et cause. Et puis enfin, je dirais qu'avec l'évolution du climat politique en France, ce qui différencie un Marcel Proust des auteurs classiques, euh, bien né. Euh, c'est qu'à la fois il est juif et puis qu'à la fois son homosexualité va finir par ne plus être cachée, même si elle est mise sous le coude comme sa judéité après sa mort. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et si jamais vous avez des questions, bah, j'essaierai d'y répondre autant que faire se peut. Merci bien Catherine, encore une autre fois une conférence bien intéressante. Avant de commencer avec le... So Q&A, um, I want to announce, I do it in English. Uh, uh, I want to announce another, um, uh, another program event that we have uh, planned for uh, Proust uh, commemoration. It's on Tuesday 15th, this time in English. It's on Zoom again. And we have um, the art historian, Beth Gershnezik, who is going to talk about Proust and art. One of the you know, major themes in the book is art, arts of you know, every kind, whether it's literature, music, painting, sculpture, or acting. Uh, so, Beth is going to um, present that. You can uh, find more information on Alliance Francaise of Greenwich website or Byron Schubert Library, which is uh, in Greenwich, uh, part of the Greenwich Library. Li library or on my website, um, uh, Proust Society of Greenwich. Uh, okay, should we um, start, um, there are a few comments on the chat. Uh, one person is commending seeing um, um, the Jaccu avec Jean du Jardin, the movie I've seen it. It's really nice. It's Celia who is uh, uh, telling us about that movie. Um, then uh, let me see. there is um, Celia again says that there is an, ex, uh, an exhibition une ex, uh, exposition à Madrid à l'Institut oui. Sephara sur Proust juif. Um, merci Celia pour cette information. Il faut dire que Proust son livre est, est écrit comme un, 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 un peu en, on dit un peu comme les textes religieux qu'il faut lire et relire. Mm -hmm. C'est un peu comme ça, la structure de livre de prose. Bon, s'il y a quelqu'un qui a une question, pour commencer, non? Ah, René, tu as quelque chose à ajouter avant de partir? Non, mais il faut noter que tout le monde dise euh, super intéressant. Merci beaucoup. Merci, merci. Un grand merci. Je crois que, que tout le monde a euh, trouvé le, votre conférence. Euh, C'est très gentil. Tellement intéressant. Merci énormément. Non, non, ça me fait très plaisir. C'est très angoissant pour moi, d'autant que j'avais compris que je devais la faire en anglais. Donc, je fais des visites en anglais, mais une conférence devant un écran, ce n'est pas la même chose. Et je dois dire que j'étais très soulagée que Père ils me dise non, non, c'est en français, puisque mon niveau d'anglais est quand même pas formidable. C est, c est, Vous parlez très bien anglais. Non, non, c'est gentil, mais bon. Euh, ceci étant, euh, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est justement, et vous l'avez merveilleusement souligné, fait c'est qu'en fait, cette judéité qui n'est pas religieuse au sens où on peut l'entendre, eh bien, elle est présente chez Proust. Probablement parce qu'effectivement, euh, lire euh, la recherche du temps perdu, c'est la lire à plein de niveaux, à des époques différentes, avec des phrases très longues, avec quelque chose qui peut apparaître comme métaphorique selon les moments. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment lié. Quand je vous ai montré les textes de la Kabbale au départ, euh, c'est vraiment cette idée-là de quelque chose qui en quelque sorte, s'établit au fur et à mesure à une sorte de vie parallèle et selon sa propre évolution, ça ne va pas être le même texte que vous, avez que vous allez lire, il va prendre une résonance particulière. Et je pense que Ferrechtet, vous l'avez exprimé de façon absolument euh, euh, majeure, je trouve, hein, cette idée-là. D'autre part, il y a beaucoup qui euh, critiquent un petit peu l'aspect ces l'écriture de Proust, mm -hmm. mais oui. euh, bon, il est comme euh, on le voit dans cette exposition que vous nous avez présentée, et euh, en, en principe, lui, il est. Il, Montrer euh, la société de l'époque, comme mmh, on mmh. voit euh, avec euh, ce qui est arrivé avec euh, Dreyfus. Euh, C'était une société qui était assez, quand même, antisémite. Alors, il présente un petit peu de société comme euh, la société comme elle était à l'époque. Oui, absolument. Merci bien, Catherine, encore. Merci, René. C'est un Merci grand, grand plaisir. plaisir. I'd yes. like to add one more thing. Again, another thank you, Mme Day, would you put your um, email in the chat? Because if anybody here would like to join us in January, I know that Farishday has people from around the country that have that have you know lived with her through this wonderful experience of reading the seven volumes, and we're going to continue. And Day, we're going to continue on Zoom. Correct? Uh, yes, we will yes. be yes. on Zoom. So, so no matter where you are, you could be part of this wonderful. Um Starting, we'll start again with the first with with Swan's Way, with the first book of the series. And and Day just put her address if anybody's interested in finding out more. Okay, thank you, everyone. Thank you, thank you, Catherine. Thank, thank you. Birthday. It was a great pleasure. It was terrific.